Hey! Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de KTP7. Yeah! Je suis toujours épais, je suis toujours en vie, je ne suis pas encore mort, je continue à farmer des levels et du charbon. Le charbon c'est bon et le charbon c'est le swag, c'est la santé. Voilà. Allez, dégage-toi. Par contre, ça me plaît pas trop non plus le spawn que j'ai. Ok, c'est un mini cul-de-sac. Bah, c'est plutôt pas mal parce que ça me permet justement de pouvoir être tranquille. Par contre, j'entends toujours autant de mobs. Ça. Je torche la zone, hein, parce que. On va y aller plus vite. Voilà, même s'il en faut que deux en fait. Je vais me refaire des torches. Non, pas 26 non plus, parce que je suis pas malade à ce point. 48, ouais, c'est plutôt pas mal. La petite table de craft au milieu. Alors, là, bah, en fait, on va farmer. J'ai combien de flèches? J'en ai 7. J'en ai 4. 7 plumes. Ça, donc, des sticks, il faut un arc en fait. Hein. Là, j'ai un petit peu l'avantage. Souls, il a des sérieux problèmes par contre. Hein. Je sais pas ce qui va lui arriver, mais. Beaucoup de dégâts. 7. Bon, 7. On va faire un pantalon. Ça va quand même protéger le pantalon, hein, donc c'est pas non plus négligeable. Nous sommes en quelle couche? 58. Oh la vache, on est haut. On est haut. Bah oui, en même temps, c'est des versions amplifiées, donc on peut forcément que être trop haut. Alors, un casque, des jambes. Là, on est full armure fer. C'est génial. On va garder le fer continu. Alors, par contre, je vais voir pour me faire déjà un seau. Ce seau-là me permettra d'avoir un seau d'eau. Je vais m'en refaire d'autres pour avoir un autre seau d'eau. Là. Et. Ouais, tout pile. C'est bien. Ça, c'est génial. Allez, rends-le-moi. D'accord, si tu veux. Il est passé où? Ok, bonjour. Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait 3 sauts? 3 sauts, ça me permettra de faire. Comment? De faire le. 2 sauts d'eau. Et si après j'ai de la lave, ça sera plutôt fun. Alors, par contre, j'entends des cochons, des poules. Ah, ça me zoque l'oreille. Et aussi, on est en Eternal Day dehors, hein, donc. Ok. Bonjour. Bah attends, il me tend la perche celui-là. Ah, les plumes sont par terre. Ok. Les phaser. D'accord, je suis rentré par là et il y en avait là. Ok, bon, si tu veux. Permis, je te bute. Ça te dérange pas? Par contre, il m'a foutu où les côtelettes? Ah, ça m'énerve. Ah non, je les ai. J'ai rien dit. J'ai quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que. Je déciderai plutôt de descendre en fait. Je vais quand même récolter encore le charbon parce que ça fait toujours de l'XP. C'est fort intéressant. L'XP c'est toujours correct. Surtout si on trouve. Comment de. Bah, du diamant en fait. C'est surtout ça en fait. Et j'ai quand même des retours. Hein. C'est un peu chiant. Mais. Bon, on évite trop non plus les mines optimisées quand même, mais quand on n'a pas trop le choix,
Surtout là qu'on en est. 48. On va descendre, hein. Si je retrouve du fer, ça m'arrangerait. Ok. Ça, par contre, ça me plaît pas trop non plus. Est-ce qu'il y a du mob? Allô, oui? Oh, j'aime pas quand ça se dégroupe dans tous les sens. Ah, ça se dégroupe vraiment dans tous les sens. Ok, en plus c'est une crevasse. Là j'ai le cœur qui palpite un peu, hein. Je vous le dis tout de suite. J'ai quand même un peu peur, donc je suis un petit peu en train de suer de partout, hein. Oh. Ah non, c'est ma torche qui s'est activée. Reste calme, reste calme, zen. Je suis vraiment en train de bouillir là. En fait, j'ai très peur, c'est surtout ça. Là, il n'y avait pas pas de fer, non. Donc, on va en chercher plus loin. Je prends quand même du risque, hein, parce que des grottes comme ça peut tomber de partout. Mais vraiment de partout, donc ça peut faire très mal. Surtout quand c'est Monsieur Creeper qui vient vous rendre visite. Il peut vous exploser la tronche. Je vais aller éclairer là-bas avant que ça spawn parce que. Ah, en plus ça monte. Ah, d'accord, ça monte là. Pof, pof. Pour éviter si on tombe au cas où. Il y avait du fer là. Alors, je laisse activer le F3, hein, donc vous inquiétez pas. Le charbon là, il me dérange. Ah, de la lave. Ah, l'Enderman. Je sais pas où est-ce qu'ils vont, mais ils y vont. Ça veut dire qu'il y a une autre entrée. Ah oui, il y a une autre entrée. Ouais, je t'ai vu le zombie, hein, t'inquiète pas. Oh! Souls, pas un creeper. Je te dirige GG après, j'ai juste un zombie. Voilà. Ok. Toi, tu t'es fait buter! Ouah, mais ça pop de partout. Ah, ça peut être fort intéressant pour ici. Dommage pour lui, le creeper, ça peut faire mal. Ah merde, j'ai pas fini de faire ça. Voilà. J'entends de la lave, hein. C'est plutôt fort intéressant. Dommage pour lui, le creeper. Vraiment dommage. En fait, tant que je ne croise pas de squelette, ça me dérange absolument pas. Ça descend où ça? Oh, ça descend par là. Par contre, il y a énormément de crevasses un peu droite et gauche.
Alors, du fer, c'est pas ce qui manque. Ça, c'est plutôt bien. Ça va nous permettre de faire une anvil si on en aura besoin. Donc, je prends tout le fer qui me tombe sous la main. Hey, Lunderman, tu veux être mon ami un peu? Je te dis ça juste par pure gentillesse, hein. Je vais pas te buter. Pardonnez-moi, bonjour. Ah, de l'or. Ah, ça c'est cool, mais j'ai pas de pomme. Oh. Alors, est-ce que c'est une grosse ou une petite? J'en sais rien. Alors, si c'est un mancha, par contre, c'est encore mieux. Bah, mieux. Plus ou moins. Parce que j'aime pas trop les mineshafts. Cependant, si ça mineshaft à la couche du diamant, ça pourrait être bien. Me refaire un peu de torche quand même. Voilà. Un stack plus 18, c'est plutôt bien. Ok, il y a de l'eau. Il y a de l'or, il y a de la redstone. Il y a de la redstone. Et je suis à la couche 13. Ok. Alors, ça va être plutôt bien. Par contre, je vais un peu me vider parce que. Ça, je m'en fous. Ça, je garde. Des pousses d'arbres. Je vais quand même en garder au cas où des pousses d'arbres. Seau, je vais le garder. Gravier, ouais, j'en retrouverai du gravier, ça c'est pas le problème. Eddie. Ah, Eddie qui a 1. Oh là. Ah, c'est pas bon pour lui, hein. Eh, j'hésite quand même à faire pousser un arbre. Au moins pour essayer d'avoir une pomme, parce que ça pourrait être bien. Attends, j'entends une araignée et. Ça me plaît pas trop. Mais cependant. Allez, attendez, on va faire ça. Oh! Cave Spider! Oh yeah! GG à toi. Bon bah finalement je serai pas le deuxième mort. C'est plutôt bien. Hein, il faut dire ce qu'il y a, c'est plutôt bien. J'espère que. En tout cas, j'espère juste une chose, c'est que ça va vous plaire. Parce que. Si vous jouez souvent avec moi dans les KTP que je fais sur des serveurs. Vous verrez souvent que je suis en mode YOLO. Ça nous permet justement de. Pas de. Par contre, elle traîne cette araignée, elle m'énerve! Par contre, il y a de l'eau là. Là, il y a de l'eau. Là, il y a de l'eau. Et il y a de la lave, donc on va pouvoir aller en mode. Nether. Par contre, Nether, j'ai pas envie de faire comme dans la saison dernière, c'est. Bonjour le Weezer, ça boum! Ce genre de choses en fait. Je suis quand même assez bas. Par contre, l'arbre, j'ai envie de le faire pousser. Mais pour faire l'arbre, il faudrait que je dégage une zone de 8 par 8 par 8. Et j'en ai guère envie pour l'instant. J'ai bouffé toutes les torches, merde. Ok. Après le fail, voilà. Ah non, j'avais des sticks, ok. Autant pour moi, messieurs. Autant pour moi. Je vais la réparer. Eh, ça me plaît pas quand même le bruit. C'est de la lave. Oh, c'est de la lave. Voilà.
Yaman, GG. Roi Louis aussi. Je suis le seul landu qui... non, pas le seul landu, mais... J'entends des squelettes de partout, ça me fait un peu flipper quand même. Là, c'est plutôt dangereux, voilà. Là, il est quand même là-bas, le zombie, en fait. Hein. J'entends quand même du monde, hein. C'est ça qui me dérange un peu. Moi aussi, je voudrais bien trouver du diamant. Qu'en dites-vous? Parce que... diamant, ça pourrait être bien. Même deux, hein, je m'en fous, c'est pour avoir une épée. C'est quand même bien, une épée. Mais... je te couvre, lol. Par contre, j'ai pas un deuxième seau d'eau. Donc, je veux dire, si je crame l'eau, je l'ai dans le baba. Eh, le baba, baba, baba rhum. Lol. 1, 2, 3. Bon, en tout cas, on a une ville. C'est déjà bien. On va se refaire un four pour déjà cuire ça. Cuire ça et puis cuire surtout le reste quoi, c'est ça que je veux. De quoi miam 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 miam. Aznet, aznet, aznet. 23, ah ouais d'accord. J'allais lui faire bah si j'avais une pomme. Ah miam 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 miam, moi aussi j'aime bien. Mais non. Nope, nope, nope. Alors je vais cuire l'or. Bon, c'est quand même bien. On a du fer, on a de l'avance sur du fer, c'est surtout ça qui est intéressant. Ça j'en ai un petit peu rien à foutre. Voilà. Je vais faire mes plumes. Alors par contre je ne sais jamais comment c'est. Voilà, c'est comme ça. J'ai 40 flèches, c'est plutôt pas mal, il me faudrait un arc en fait. Là, c'est opération arc, ça serait cool. Je vais le faire cuire direct. J'ai pas allé faire en bouteille directement, la bouteille brute. Bah si, je vais le faire en bouteille, mais sauf que je veux dire, c'est que je vais pas les remplir avec de l'eau. Ça évitera justement toute place utile qui pourrait être prise par ces bouteilles. Ouais, déjà plus qu'une minute deux, 20. Une minute deux, wow, c'est sympa. Je vais prendre le poulet. C'est... ouais, ça c'est fun, ça aussi. Là. Alors là, on pourrait se faire une pomme d'or en fait. La pomme d'or, ça me permettrait de régénérer. Ouais, je pourrais remonter en fait. Pourquoi elle tombe? Elle est au-dessus? Mais j'espère que c'est pas une. Vu le bruit, j'en sais rien en fait. Mais on dirait qu'elle se déplace vite, donc c'est des petits, donc il y aurait un manshaft au-dessus. Un manshaft. Un matcha délicieux, délicieux d'amour. Alors attends. Oui, je regarde les machins, moi. Je suis comme ça. Ah oui, d'accord. Pour accéder au machin, il faudrait que j'ai un diamant. Sauf que je peux le faire en mode YOLO. Mais en même temps, j'ai envie de chercher quand même un diamant. Diamant et... ça pourrait être bien, en fait. Alors attendez, je vais prendre un seau de lave. Je fais quoi? Je vais éviter de trop réfléchir.
Ah bah fin de l'épisode 2, on se retrouve au 3. Au 3.